Bonjour, bienvenue au Studio Fusion Corps-Esprit. Mon nom est Annie Bouchard-Mercier, je suis instructeur de Pilates. Aujourd'hui, on va faire un cours de Pilates doux qui peut être utilisé également en postnatal, donc après l'accouchement, pour réactiver les abdominaux tout en douceur. Mais c'est une pratique qui est aussi pour tous et qui est intéressante de faire régulièrement pour améliorer le tonus, la force des abdominaux profonds. Donc, on parle du transverse et également le tonus et l'endurance au niveau du dos. Donc, je vous souhaite une belle séance. Aussi, pendant le cours, soyez attentifs à votre corps. Donc, s'il y a des douleurs, des inconforts, assurez-vous d'être toujours confortable. Donc, on peut s'arrêter en tout moment si l'exercice devient trop intense ou est inconfortable pour soi. L'important, c'est de s'écouter. On va commencer assis. Avec les pieds à peu près à la largeur des hanches, on prend le temps d'allonger la colonne vertébrale. On inspire et on souffle par la bouche. On inspire par le nez et on souffle par la bouche en essayant d'aller ramener le ventre vers l'intérieur. Inspire par le nez. Et souffle par la bouche, on resserre le plancher pelvien, comme si on retenait une envie, et on ramène le ventre vers l'intérieur. Inspire. Et souffle, resserre le plancher pelvien, ramène le ventre vers l'intérieur, on resserre tous les abdominaux, comme si on avait une ceinture. On y va encore une fois, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et on souffle, on resserre le plancher pelvien, les abdominaux, on referme également les côtes. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on vient chercher l'arrière des cuisses. Et en soufflant, on vient arrondir le dos. Inspire, on revient allonger. Et au souffle, on resserre le plancher pelvien, les abdominaux, et on vient arrondir le dos. Flexion de la colonne. Inspire, allonge la colonne vertébrale comme si un fil tirait sur la tête. Et souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux, tire le ventre vers l'intérieur. On y va encore deux fois. Inspire, le dos qui s'allonge. Et souffle, on resserre le plancher pelvien, on arrondit. Inspire, on allonge. Et souffle, on resserre le plancher pelvien, les abdominaux, et on arrondit la colonne. On va maintenant avancer sur la partie avant du tapis. On vient chercher l'arrière des cuisses et on va rouler pour s'en aller sur le dos, sur le tapis. On va déposer les pieds au sol, les bras le long du corps. On inspire, on allonge la colonne. Et au souffle, on vient faire une petite bascule du bassin. On vient porter le bas du dos dans le plancher. Inspire, on relâche, on revient avec une colonne vertébrale au neutre. Et au souffle, on resserre le plancher pelvien, resserre les abdominaux. On vient porter le bas du dos dans le sol, bascule du bassin. Inspire, on relâche. Et on y va encore quatre fois. Et souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. On vient appuyer un peu le bas du dos. Inspire et relâche. Et souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Encore deux fois. Inspire, relâche. Et au souffle, on vient vraiment activer comme si on tirait vers le haut. Plancher pelvien, les abdominaux. Inspire, on relâche une dernière fois. Souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Et inspirez, on relâche. On vient retrouver notre colonne vertébrale au neutre. Ça veut dire qu'il y a un petit creux dans le bas du dos, mais qui n'est pas accentué non plus. Et le bas du dos n'est pas complètement enfoncé dans le tapis non plus. On va essayer d'être juste entre les deux. Donc, prenez le temps de trouver votre neutre. Et ici, on va garder ce neutre-là en soulevant un pied du sol. Donc, on essaie de garder la colonne vertébrale au neutre, sans la bouger. Inspirez ici. Et souffle sans bouger la colonne vertébrale. On vient resserrer le plancher pelvien, les abdominaux. On referme les côtes. Inspire, on allonge. Et au souffle, on resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Et on referme les côtes. Inspire. Et souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Une autre fois. Inspire. Et au souffle, on resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Referme les côtes. Inspire et on va redéposer le pied. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc toujours colonne vertébrale au neutre. On peut faire des petits tests. On reste entre les deux. Donc pas le dos pas trop arqué ni enfoncé dans le plancher, juste au milieu.
Inspire ici et souffle, serre le plancher pelvien. On essaie de le soulever vers le haut. Inspire, on relâche. Et souffle, serre le plancher pelvien. Je fais le mouvement avec mes bras. C'est comme une image qu'on veut se créer là, de soulever le plancher pelvien à chaque fois. Et souffle, on resserre le plancher pelvien. Et inspire, on relâche encore une fois. Souffle. Inspire. Et on relâche le pied au sol. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle le piston. On va soulever les deux pieds du sol et on va essayer de garder notre colonne vertébrale au neutre. Donc, quand les jambes sont soulevées, souvent, on a tendance à venir enfoncer le dos dans le plancher. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment garder notre petit creux qui est confortable. Donc, s'il y a de la douleur dans le bas du dos, on peut quand même venir un petit peu plus en flexion. Mais sinon, on reste au neutre. On inspire et en gardant les genoux plié à 90 degrés, souffle, abaisse la jambe droite, resserre les abdominaux. Inspire, on redresse. Et souffle. Inspire, on redresse. Et souffle. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit tremblement qui s'installe, c'est parce que ça travaille fort. Inspire, on redresse, surtout en postnatal. Et souffle. Et inspire, on revient. Et souffle. Inspire, on revient. On pense à ramener le plancher pelvien vers le haut. Ramène le ventre vers l'intérieur. Inspire, revient. Et souffle. Inspire, on redresse. Et souffle. Soulève le plancher pelvien. Ramène les abdos vers l'intérieur. Inspire, on y va encore deux fois. Et souffle. Inspire, on remonte une dernière fois. Et souffle. Inspire, on redresse. Maintenant, on va rajouter les bras et on va rajouter aussi de la coordination, en fait. Donc, on va faire le bras droit et la jambe gauche qui vont baisser en même temps. Inspire ici et sans changer la courbure du dos, souffle, on rentre le ventre, on abaisse le bras droit et la jambe gauche. Inspire, on redresse. Et souffle de l'autre côté. Inspire, on revient. Souffle, resserre le plancher pelvien, ramène le ventre vers l'intérieur. Inspire, redresse. Et souffle. Inspire. L'important, c'est de sentir qu'on est capable de rentrer le ventre à chaque fois, de resserrer les abdos volontairement. Inspire. Encore quatre. Et inspire, remonte. Et souffle. Inspire, remonte. Et encore deux. Inspire, on remonte. Un dernier. Et souffle. Inspire, on remonte. Maintenant, on va prendre une petite pause pour les fléchisseurs des hanches parce que probablement que vous le sentez aussi également là, au niveau des hanches et peut-être même les cuisses. Donc, il n'y a pas juste les abdominaux qui travaillaient dans cet exercice. Et on va faire le pont épluché. On relâche les bras au sol. Les pieds sont à peu près à la largeur des os des hanches. On prend le temps d'inspirer. En soufflant, on va faire la bascule du bassin qu'on a pratiqué au début. On vient porter le bas du dos dans le sol, on soulève le bas des fesses en premier et on vient presser dans les pieds pour soulever les hanches. Inspire en haut. En soufflant, on essaie de basculer le bassin à nouveau. On vient porter le haut du dos, le milieu et le bas. Inspirez en haut, en bas. Et au souffle, presse dans les pieds, bascule le bassin. On vient porter le bassin vers le haut. Inspirez. Et souffle, on redescend vertèbre par vertèbre en resserrant le plancher pelvien et les abdominaux. Inspirez. On pense consciemment, active le plancher pelvien, les abdominaux, presse dans les pieds. Inspirez en haut, on serre les fesses. Et au souffle, on redescend vertèbre par vertèbre vers le plancher. J'espère que ça va bien, inspirez. Et souffle, bascule le bassin, resserre le plancher pelvien, presse dans chacun des orteils, dans les talons, inspirez en haut. Et au souffle, on redescend vertèbre par vertèbre vers le plancher en resserrant les abdominaux. On va faire un test maintenant, inspirez. Au souffle, bascule le bassin, resserre le plancher pelvien et les abdominaux. On va s'arrêter en haut. Et ici, regardez, ou plutôt ressentez, où sont vos points d'appui au niveau des pieds. Est-ce que vous sentez que les pieds sont plus appuyés vers l'extérieur? Peut-être que les genoux s'ouvrent ou le contraire vers l'intérieur, les genoux seraient vers l'intérieur. Donc, on essaie de ramener les points d'appui sur les trois points d'appui importants du pied, c'est-à-dire la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Ça fait votre triangle en dessous du pied et on s'assure d'avoir l'alignement des genoux avec les os des hanches, nos épines iliaques.
On prend le temps d'inspirer ici. Et au souffle, on va essayer de soulever le talon droit. Inspire, on redépose le talon. Au souffle, on vient soulever le talon gauche, on serre le plancher pelvien, les abdominaux. Inspire, on relâche. Et souffle, soulève le talon droit. Inspire, on relâche. Et souffle, soulève le talon gauche. S'il y en a qui veulent se risquer, vous sentez que vous êtes stable. Au souffle, on essaie de soulever le pied au complet. Inspire, dépose. Et là, ça travaille fort. Et souffle de l'autre côté. Et on essaie de garder le bassin toujours à la même hauteur. Inspire, dépose. Et souffle le pied droit. Inspire, dépose. Et souffle le pied gauche. Inspire, on redescend. Et souffle la droite. Inspire, ouvre les côtes. On le fait avec la conscience du plancher pelvien. Souffle, resserre le plancher pelvien. Inspire, on redescend. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire encore deux fois. Et souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Inspire, pensez à relaxer vos bras. Même j'étais en train de tout crisper des bras. Donc les bras restent détendus. Inspirez en haut. Et au souffle, on redescend vertèbre par vertèbre le bassin au sol. On relâche un petit peu. On va venir ramener les genoux vers la poitrine. On prend le temps de se verser vers la droite et la gauche pour masser le bas du dos. Donc dans l'exercice qu'on vient de faire, le pont épluché, on a activé beaucoup l'arrière du corps, les fessiers, les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. On va venir les étirer un petit peu. On vient déposer les pieds au sol, allonge la jambe droite vers le plafond et on saisit l'arrière de la cuisse sans trop tirer, juste un petit étirement très doux, confortable. On va fléchir le pied. Inspire en point. Et souffle, fléchis. Inspire, on pointe. Et on y va encore deux fois. Et souffle, fléchis. Et inspire, pointe. Et souffle, fléchis. Et inspire, pointe. Un dernier. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On prend le temps de garder la colonne au neutre. On va étirer la jambe vers le plafond. Essayez d'aller chercher un petit étirement derrière la cuisse, confortable. Inspire. Et souffle, fléchis le pied, pousse le talon vers le plafond. Inspire, on allonge. Et souffle, fléchis. Et inspire, pointe. Et souffle, fléchis. Et inspire, pointe. Et souffle, fléchis. Encore une fois. Et inspire, pointe. Et souffle, fléchis, on relâche. Maintenant, on va faire la rotation de la colonne. Les bras vont s'ouvrir de chaque côté, les paumes vers le plafond. Première option, la plus douce, on garde les pieds au sol. On peut coller les pieds et les cuisses. Inspirez. Au souffle, on prend le temps de resserrer le plancher pelvien, les abdos, avant de bouger. Et ensuite, on envoie les genoux vers le côté en resserrant. Inspire, on revient au centre. Et souffle de l'autre côté. Inspire, revenez au centre. Et souffle de l'autre côté. Donc, vous remarquerez que c'est un petit mouvement parce que le plus important, c'est pas l'amplitude, c'est plutôt de resserrer le plancher pelvien et les abdominaux. Et on y va encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et souffle. Et on revient au centre. Ceux qui veulent une option un petit peu plus intense, soit on continue la même option qu'on vient de faire, ou encore on pourrait soulever les pieds du plancher, genoux fléchis, toujours les paumes de main vers le plafond, les bras à hauteur des épaules, inspirer. Et en soufflant, resserre la ceinture abdominale, on amène les genoux d'un côté. Inspire, on revient vers le centre. Et souffle de l'autre côté. Inspire et revenez au centre. Et encore quatre fois, souffle.
Inspire, on peut fixer un point au plafond. Souffle. Inspire, on pense toujours à notre plancher pelvien. Resserre le plancher pelvien, les abdominaux. Sentez les obliques aussi qui travaillent dans cet exercice-là. Les abdominaux obliques. Inspire et souffle. Je pense qu'on est bon pour en faire deux autres. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, on revient. Et on relâche les pieds au sol. La façon la plus sécuritaire pour se relever, on se tourne sur le côté, on s'aide avec les mains et on revient s'asseoir. On va s'asseoir avec les jambes un peu plus larges que le bassin et on va tirer les fesses. Ça a l'air drôle ça, là, mais c'est le truc pour être bien assis sur les ischions, pour se sentir bien allongé. Donc ça permet d'être confortablement assis et d'avoir le dos le plus long possible. On va faire ce qu'on appelle la scie. On s'imagine qu'on tient un gros ballon dans nos mains. On inspire. Et en soufflant, on va aller essayer de porter l'épaule droite vers la cheville gauche. Inspire, on redresse. Et souffle de l'autre côté. Inspire, on redresse. Et souffle, on amène l'épaule vers la cheville. Inspire, on redresse, on revient très droit à chaque fois, très allongé. Et souffle. Inspire. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le confort. Et souffle. Inspire, on déroule. Et souffle. Inspire et déroule encore deux fois. Et souffle. Inspire et déroule. Une dernière fois. Et souffle. On pense à s'allonger, s'étirer au-dessus de la jambe. Inspire, on déroule. Et on relâche. Ça fait du bien, non? On va s'en aller sur les mains et les genoux. Posture du quadrupède. C'est un exercice intéressant pour aller chercher les abdominaux profonds également. Donc ici, on va venir faire le dos rond et l'extension. On inspire, on est long. Le dos est au neutre. Au souffle, on vient basculer le bassin. On tire le pubis vers le menton. On relâche le dessus de la tête vers le plancher. Inspirez. Et au souffle, on vient en extension. On prend le temps de soulever le coccyx. On vient porter le sternum vers l'avant. Inspirez. Et souffle. On arrondit, on tire le ventre vers l'intérieur. On essaie d'arrondir le dos en pressant dans les mains. Inspirez. Et souffle, on vient vers l'extension. Inspire dans l'extension. Et on y va encore deux fois. Souffle, resserre le plancher pelvien, les abdominaux. On arrondit la colonne vertébrale. Inspirez. Et souffle vers l'extension. Inspire dans l'extension. Et au souffle, on vient vers la flexion une dernière fois. Inspirez. Et souffle, on retourne vers l'extension de la colonne, toujours dans l'amplitude qui est confortable pour notre dos. Et on relâche. On vient porter les fesses sur les talons vers la posture de l'enfant. C'est une posture de yoga où on peut vraiment aller chercher un bel étirement de la chaîne postérieure. Notre prochaine section, on va la faire sur le ventre. Donc, on va travailler l'endurance au niveau des muscles du dos et aussi la flexibilité. Donc, tranquillement, on veut venir au plancher. On va placer les mains de chaque côté du tapis. Donc, on ne veut pas les avoir trop proches parce que sinon, des fois, on est un petit peu tout pris, tout coincé au niveau des trapèzes, des épaules. Donc, on veut avoir les mains larges et glisser les omoplates vers le bassin. Les épaules sont le plus loin possible des oreilles. On prend le temps d'inspirer. Et en soufflant, on resserre le dos, les fesses, les abdominaux. On vient soulever un petit peu le sternum du plancher. Inspire. Et au souffle, on redescend. Inspirez en bas. Au souffle, pressez les hanches au sol. Donc, on vient tirer le ventre vers l'intérieur pour bien activer les abdominaux en même temps qu'on vient travailler le dos. Inspirez.
Et au souffle, on redescend tranquille. On en fait un autre comme ça. Inspirez en bas. On se bascule les hanches, serre les abdominaux. On contracte les fesses, le dos. Inspirez. Et au souffle, on redescend. Maintenant, on va venir porter le front sur les mains. Donc, dans cette posture-là. Et on va faire les extensions de la hanche. Donc, c'est vos fessiers qui vont travailler, vos fesses. Inspirez. Et souffle. Soulève la jambe droite. Inspire, on redescend. Et on souffle la jambe gauche. Inspire, redescend. Vous remarquerez que ma hanche reste au sol. C'est vraiment une extension de la hanche. Il n'y a pas de mouvement, de rotation de la colonne. Inspire, redescend. Et souffle. Inspire, redescend. Et souffle, on soulève la jambe droite. Inspire, redescend. Si vous êtes confortable, on va aller porter les bras le long du corps, les paumes de main face à face, et on poursuit la même chose, mais en soulevant le haut du corps également. Souffle. Inspire, redescend. Et souffle, tire les mains vers l'arrière. Inspire, on redescend. Encore. Souffle. Inspirez, redescendez. Vous remarquez que mes pouces pointent vers le bas pour que les paumes soient face aux cuisses. Et souffle, je tire les omoplates vers le bassin. Inspire, on redescend encore 4 fois. Et souffle. Inspire, on redescend. Et 3. Inspire, on redescend. Et 2. Inspire, on redescend. On y va une dernière fois. Et souffle. Inspire, relâchez. Donc, si vous avez senti votre bas du dos, c'est tout à fait normal. On va venir l'étirer. On presse dans les mains. On vient serrer les abdominaux. Et on revient vers la posture de l'enfant pour étirer les muscles du dos. On relâche le front vers le tapis. Marchez avec les mains vers les genoux, on déroule la colonne vertébrale. Maintenant, on va finir avec des exercices d'étirement. Quand on travaille les abdominaux, les fléchisseurs des hanches sont également impliqués. Donc, on veut les étirer pour compléter notre séance. On va aller porter un pied vers l'avant et on va s'étirer en fente basse. On va avoir le pied quand même assez avancé pour que quand on vient plier le genou se retrouve derrière les orteils. On dépose les mains vers le plancher. Et pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le bassin descendre vers le plancher pour créer un léger étirement à l'avant de la hanche et à l'avant de la cuisse. En même temps, on peut penser à allonger la colonne vertébrale. On est long. Le bassin s'en va un petit peu vers le plancher. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On va refaire la même chose de l'autre côté. On ramène les pieds ensemble, les genoux ensemble, et on vient faire un grand pas vers l'avant. Donc, vous sentirez que ça, c'est quand même musculaire aussi, ça vient travailler la cuisse. On relâche les mains au sol pour plus de stabilité, et on va laisser le bassin descendre vers le plancher jusqu'à temps qu'on sente un léger étirement à l'avant de la hanche. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, inspirez et expirez. On va ramener les jambes ensemble. J'espère que vous avez eu une belle pratique de Pilates, que vous avez respecté vos limites. Et tranquillement, à force de pratiquer cette séance, vous allez être de plus en plus confortable dans les exercices, mais également, vous allez pouvoir mieux cibler les abdominaux parce que plus on s'entraîne à les activer consciemment, plus on les active réellement. Merci!
Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifiée Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 418-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic « Certifié famille MC ». Moi, je travaille en français. 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 Moi,